des adhérentes qui rassemblent les 840 centres commerciaux de France. Alors, je ne vais pas me lancer dans un concours avec nos collègues de l'AFCD, mais les centres commerciaux, c'est 1,3 milliard de visites par an. Qui représente quand même beaucoup d'accès des visites, et donc une question d'accessibilité qui est assez prégnante. Voilà, donc les adhérents du CNCC se sont engagés depuis de nombreuses années dans des démarches RSE, hein, que ce soit environnementale, sociale ou même sociétale. Et nous avions envie, enfin, il nous paraissait important que je le considère comme des lieux de vie, hein, ce n'est pas uniquement des lieux de shopping, ce sont des lieux de loisirs, de restauration. Mais on disait que ce sont aussi des lieux d'inclusion qui peuvent permettre à tout le monde de pouvoir y accéder facilement et je dirais. Donc nous, notre objectif en joignant l'Oval, c'est d'avoir un travail d'information et de sensibilisation très important auprès de nos adhérents, auprès des gestionnaires des centres commerciaux, des exploitants. Et puis d'avoir un travail également de pédagogie pour leur qualité de donneur d'ordre, parce que toutes les questions de sécurité, notamment, c'est la première, c'est-à-dire le péage, enfin la première entrée, la première visite que l'on a. Ce sont aussi, ça fait partie de ce travail de sensibilité, donc faciliter ces accès, ou en tout cas qui ne les intéressent pas et qui n'y a pas de pouvoir les anticiper le plus possible. Donc voilà notre rôle et notre volonté dans ces travaux de l'OVA qui est à venir. Et juste un dernier mot, justement dans cette dynamique d'inclusion, la semaine prochaine, salon pour Versailles, où nous signerons une charte d'engagement sur le dispositif de l'heure silencieuse pour les personnes autistes et leurs accompagnants. On a un momentum, inclusion